Je voudrais vous dire que je suis très content des résultats qu'on a obtenus avec le programme Savoir Maigrir, mais je crois que ce n'est pas bien que je vous le dise moi. Je pense que ce qui est mieux, c'est de vous montrer des gens qui l'ont suivi et leurs témoignages qui sont totalement authentiques. Écoutez. Alors, je m'appelle Françoise, j'ai 51 ans, je viens de Franche-Comté, de Besançon et je suis orthophoniste. J'ai décidé de perdre du poids parce que j'en avais en trop, j'avais déjà fait plusieurs régimes auparavant qui avaient plus ou moins fonctionné, en tout cas j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à faire des régimes. Si j'ai choisi le programme Jean-Michel Cohen, c'est parce que j'étais libre. Libre d'écrire ou de ne pas écrire sur mon carnet, libre ou pas de poser des questions, libre de me peser ou pas. C'était moi qui décidais et j'avais envie d'être maître de cette décision-là et de ce programme-là. Et ça me correspondait tout à fait. J'ai perdu 12 kilos en 5 mois, j'avais commencé au mois de janvier. Et c'était le but que je m'étais fixé, donc j'ai atteint mon objectif et je commence la phase de stabilisation. La photo de gauche, c'était avant. C'était une photo où j'étais à la pêche, parce que je vais à la pêche et j'adore ça. Mais j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à la regarder. Ça me fait triste, ça me fait de la peine, même si c'était un endroit que j'aimais bien. Et quand je regarde celle de droite, je me dis, c'est moi. Ben oui, je crois bien que c'est moi. Et ben, je suis fière de moi. Ça fait du bien aussi. J'ai jamais eu faim. J'avais trop à manger, par moments j'ai trop à manger et voilà, c'est impressionnant comme c'est facile. J'ai surtout suivi le régime classique, mais de temps en temps, j'allais voir ailleurs, m'insérer à petit prix parce que ça permet de faire moins de courses et de payer aussi moins cher. Et voilà, je suis allée farfouiller un peu dans le programme. On a le droit de faire des écarts parce qu'on a le droit de se faire plaisir. Alors moi, par exemple, mon problème, c'est le chocolat. Ou les glaces. Si je tombe dans le chocolat ou dans les glaces, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Mais on a des moyens pour récupérer derrière avec des repas de rattrapage, avec le jeûne de 16 heures. Je monte tous les étages, les 6 étages qui me séparent de mon appartement à pied tous les jours. Ça, c'était un défi de Jean-Michel Cohen dans les petits messages qu'on reçoit quotidiennement. Et ça m'avait fait rire au début et j'ai essayé. Et puis du coup, ça fait 6 mois que je fais ça. Alors, dans le programme Jean-Michel Cohen, j'avais le programme de base, je pense. Je pouvais envoyer une question par semaine à ma diététicienne, c'est ce que je faisais. Et elle me répondait toujours et c'était toujours de bons conseils. J'avais vraiment l'impression d'être entendue, d'être reconnue, d'oser poser mes questions et d'avoir en retour des choses qui correspondaient à mon attente. Grâce à cette perte de poids, je me sens mieux, j'ai plus confiance en moi, je me mets beaucoup moins la pression pour beaucoup beaucoup de choses. J'ai moins peur qu'avant de toutes les choses nouvelles, de tout ça et je me sens bien, oui. J'ai plus mal au ventre, j'avais souvent mal au ventre, maintenant voilà, ça va beaucoup mieux. Ça va bien, merci. Ce que je pourrais dire à quelqu'un qui hésite à franchir le pas de venir à Savoir Maigrir, c'est faut le faire le pas, on risque rien, on risque juste d'aller mieux. J'aimerais dire merci à moi d'abord parce que c'est moi qui ai fait le chemin et puis à toute l'équipe de Jean-Michel Cohen, à Delphine, à tous ces gens voilà, qui étaient là, qui sont toujours là pour nous accompagner et nous aider. C'est des belles rencontres en même temps, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est virtuel, on est sur ordinateur, on voit les diététiciennes, elles ne nous voient pas et en même temps c'est hyper humain. Si vous avez aimé cette vidéo, alors vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous voulez vous aussi des conseils personnalisés, alors vous pouvez faire un bilan minceur gratuit ici. À très bientôt.